Yo tout le monde, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur StarCraft 2, oh yeah! Une nouvelle mission aujourd'hui de la campagne. Donc nous allons commencer tout de suite, comme d'habitude, let's go avec Ticus. Y'a un truc qui me travaille. Qu'est-ce qui s'est passé au juste entre toi et Mensk? À une époque vous aviez l'air copains. Je pensais que Mensk ferait changer les choses. On s'est battu ensemble jusqu'à Tarsonis. C'est là qu'il a dépassé les bornes en utilisant les ergues pour massacrer toute la planète. Comme Kerrigan était contre, il l'a laissé mourir là-bas. Ah ouais... En fait, il était aussi pourri que la Confédération. Eh ben, on peut dire que tu sais vraiment choisir tes amis, Jimmy. Ça c'est dit. Moi je dis, j'aurais pas aimé. Bref. Ça y est, je vais devoir commencer à faire semblant de travailler. Les mercenaires, on peut vraiment pas leur faire confiance. Pas comme les rebelles et les pirates. Ouais, le gros magouilleur, mon gars. Ça sent le criminel. Vous êtes venu au bon endroit. Est-ce qu'il y a les nouveaux trucs? Non, on a déjà tout. Ok, les infos, let's go. Votre Altesse, la perte tragique de Tarsonis a fait couler beaucoup d'encre. Dans son film documentaire L'Aube Impériale, Tilosky va même jusqu'à dire que vous vous êtes assuré de la chute de Tarsonis pour abattre l'administration confédérée. J'ai déjà entendu toutes ces théories du complot. Mais le fait est que les Ergues ont lancé une invasion si massive sur Tarsonis qu'aucune force dans l'univers n'aurait pu les arrêter. Ah bah ouais, forcément. Ce fut vraiment un jour terrible. Ah bah oui. Le film de Tilosky insiste sur l'apparente opportunité que les aliens vous ont offerte en détruisant le gouvernement corrompu que vous aviez tenté de renverser durant toute votre vie. Des millions de gens sont morts. Lol. Et vous me parlez d'opportunité? Effectivement, je luttais contre les méfaits de l'ancienne confédération, mais certainement pas par intérêt. Lorsqu'il a fallu assumer le lourd fardeau du pouvoir, je ne l'ai accepté pour assurer la survie de l'espèce humaine. Une déclaration fracassante de l'empereur en personne. À suivre, l'allergie des Arglings au jus de citron. Recette de grand-mère ou nouvelle arme de destruction massive dans l'arsenal de l'humanité. Bah tiens, Kate Lockwell. Ah, j'ai débloqué Kate Lockwell en portrait 2 au fait. Bon, nickel. Me fait trop vieux pour ces conneries. Décidément, c'est juste énorme. Tiens, j'avais pas vu ça. Je pensais que vous avez si. Ok, bon. Oh, c'est quoi cette musique? Pas mal. Bon, let's go to the armory. Allons-nous marrer un petit peu. Mais qu'est-ce donc? Des mines araignées. Elles se battent. Nom de Dieu, comment c'est bien fait. Les mines araignées font partie des rares applications technologiques en provenance de la vieille Terre à avoir survécu au crash des porte-nefs géants. Le manque de confiance des marines envers les capteurs IFF des mines araignées est notoire. En 2499, le studio John, basé à Tarsonis, sortit Mine Araignée 4. La mort venue d'en bas. D'accord. Suite de la série sur les mines araignées devenues conscientes et qui se retournaient contre leurs créateurs humains, ce fut le dernier holo de la série. Ok, bon, ça m'a pas l'air très au point ce truc. Bon, enfin bon, tant que ça pète, au pire on s'en fout. Ça, ce sont les magnifiques spectres. Ils sont beaux, hein. Franchement, ils ont la classe, hein. Ils envoient du steak. Ces barjots de mercenaires utilisent encore des vautours, t'imagines? Ces maudites machines sont des pièges mortels, même quand t'as personne pour te tirer dessus. Attention à ce que tu dis, Swan. Je compte plus les fois où mon vieux vautour m'a sauvé la mise. Je vais pas te laisser baver comme ça sur un classique de la technologie. Classique. Je suppose qu'on pourrait dire ça. Bien sûr, la plupart des gens préfèrent une bécane qui n'explose pas quand le joint du propulseur se coince. Ou dont le réservoir ne laisse pas fuir des déchets radioactifs. Ah, mais bon, on s'en fiche si c'est un classique, hein. Joue pas trop au malin, Swan. Joue pas au malin, t'as entendu? Oh là là, ça s'insulte, ça s'insulte. Oh, mais on dirait que j'ai beaucoup d'argent. Spectre, ah oui, alors vehicles. Ah, vautour, j'ai débloqué vautour. Augmente les rayons d'explosion de déclenchement des mines. Bon, ça j'achète direct. Ouh, ça m'a l'air bien pété ça.
Ok, j'achète. Ah bah tiens, en fait, maître mécanicien de l'infanterie. Le vautour peut se réapprovisionner sur le terrain pour un coût de 15 unités de minerai par minute. Ça aussi, c'est intéressant. 50 points de vie, ça on s'en fout. Dominion, on l'a déjà acheté. Donne la capacité fouet sonique à plus de 100 points de dégâts. Unité ciblée. Ouais, ça c'est pas très utile. Infanterie, qu'est-ce qu'on a? Non, bah, je vais pas faire l'armure par contre. Hein. Ah, ça, qu'est-ce qu'on a? Les VCR partent deux fois plus vite. Tout ça, et... Ah, ça peut être intéressant. Bon, on va se consacrer un peu au véhicule. Hop, voilà. Allez hop, on achète ça. Et là, normalement, il doit nous rester encore assez pour et bien pour racheter une nouvelle technologie qui sera, je pense, sûrement très utile. Mais là, il n'y a rien d'intéressant. Ok, on va économiser hein, au lieu de tout dépenser comme ça. Vaut mieux économiser. Ah, on se retrouve au laboratoire. On va interroger. Oui, vous aviez une question, monsieur. Ouais, bon d'accord, ça sert à rien. Hop, Hansen. Je n'arrive pas à y croire. Cet enregistrement prouve que tout est vrai. Mengsk, Tarsonis, toute l'histoire. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais le lancer. Monde. Je vais le balancer dans Comme femme et enfant du Dominion doit apprendre ce dont est capable leur empereur bien-aimé. Le contre-coup va être atroce. Ça va déclencher des émeutes, des soulèvements un peu partout. Mais non, ça c'est qu'un détail. C'est ça que vous cherchez, non? C'est un début. Effectivement, oui. Non, mais attends, quand elle demande qu'est-ce que vous allez en faire, je vais le balancer dans l'espace. Ah, écoute, un Jackson de mieux à faire. Hein. Attends, oh, oh. Ah, j'ai rien débloqué pour l'instant. Ok, bon, j'ai rien. C'est super. Bon, let's go, les amis. Pour. Bon, ok, bon, il bug. Let's go pour la passerelle et la mission du jour. On va d'abord interroger. Si Mira Anne appelle, dites-lui que je suis très occupé. D'accord, ça c'est sa petite copine, j'ai l'impression. Ok, alors, on a trois missions. Le Havre. Nos citoyens ont installé une nouvelle colonie sur Havre. Tout allait bien, mais la colonie est devenue subitement silencieuse. Ils ne répondent sur aucune fréquence. Nous devrions aller voir ce qu'il en est. Ils ont peut-être été exposés au virus Zerg et ils sont aux limites de l'espace Protoss. Jim. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave. Oh, mais non! L'aide de camp confédérée contient des enregistrements qui prouvent que Mengsk a ordonné le massacre de Tarsonis. Oh. Il ne nous reste plus qu'à les diffuser. Mira Anne nous a donné une info qui pourrait aider. Sur Coral, le Dominion va dévoiler une nouvelle machine de guerre appelée Odin. En la piratant, on pourrait l'utiliser pour accéder au studio de l'UNN sur place et diffuser les enregistrements des crimes de guerre de Mengsk. Ah, bonne idée. Le Odin se trouve actuellement dans le bâtiment de test sur Valhalla. Ah, une nouvelle unité très sympa, l'ombre, ça a l'air plutôt sympa, et là... Moebius veut qu'on aille trouver un autre artefact sur une planète morte, Xil. Apparemment, ils ont envoyé une équipe de spécialistes, mais ils ont perdu le contact avec eux il y a deux jours. Ils ont dû tomber sur un os. À mon avis, c'est le genre de boulot avec prime de risque. Écoutez, bah là, je sais pas, puisque toutes les missions ont l'air plutôt pas mal. Mais on va faire celle-là, en mode normal, toujours. Quoique, 3 recherches proto, c'est là 3 recherches Zerg. J'ai peut-être assez de recherches Zerg, non? Oh, et puis zut, hein. Allez hop, notre let's go, est c'est en parti. Parez à voler le Odin. Parez à voler le Odin. Ouais, Ticus est sans conteste le meilleur candidat pour ce genre de boulot. Par contre, il a tendance à s'emballer un peu dès que ça castagne. Il faudra réussir à le suivre quand ça commencera. Ah, d'accord, c'est Ticus qui est. Si nous parvenons vraiment à nous emparer du Odin. Il est absolument vital d'éliminer toutes les bases du Dominion de la zone. Avec un peu de chance, nous pouvons bloquer toutes les transmissions suffisamment longtemps pour qu'ils puissent le faire. Ah ouais, ce serait cool. On ne doit pas prendre le risque de laisser l'information filtrer vers Coral. Ce serait con. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce Odin? C'est un marcheur de siège extra-lourd expérimental, conçu pour les combats de longue durée au front. Du solide. LOL. Super. Même Ticus ne pourra ça, pas c'est casser. Pas de la machine de tapette, voilà. Hein. Ah ouais, Ticus, c'est une espèce de grosse sulfateuse, mon gars. Go. Non mais normal, ouais, vas-y, ils sont à 3 contre une armée entière. Ah là là. Odin le destructeur. Ouais, cette planète a l'air magnifique hein. Ça fait vraiment penser à Star Wars. Par contre, derrière une espèce de méga planète gigantesque de l'infini de l'absolu.
Les ombres peuvent se camoufler et devenir invisibles pour la plupart des unités ennemies. Attention aux tourelles lance-missiles et aux corbeaux qui ont la capacité de détecter les unités camouflées. Ah ouais, parce que si je ne dis pas de bêtises, on va pouvoir se servir des fameux spectres que nous avons débloqués auparavant. Ce serait vraiment sympathique. Sinon, je vois pas l'intérêt de les avoir débloqués, hein, finalement. Allez, c'est parti. Ok. Bon, j'espère que ça va pas trop laguer. Normalement, ça va, hein. Bon, on n'est plus là incognito, les filles. On Là, sort c'est les parti. flingues et on fonce. Merci, Titus. J'aime bien tes remarques. Ah. Tac. Alors, les objectifs. Trouver des échantillons de tissus dévoreurs. À mon avis, ça doit être ça, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, c'est des Monsieur, scientifiques. Vous semblez avoir découvert là quelque chose de très intéressant. D'accord. Si vous pouvez m'en rapporter un échantillon au labo, oh. ce serait formidable. Ah, mais d'accord. Activez les tourelles Titus automatisées. N'est pas avec moi. Oh, tu m'empêcheras pas d'aller faire joujou avec ce monstre. Titus doit survivre, ok. 5 sur 5. Qu'est-ce que j'y vais? Ouais, mais par contre... J'ai failli attendre. Non, mais hé, hey, oh, oh, ah d'accord, ok, d'accord. Il avance tout seul, ce con. Putain, ça va être chaud patate, les amis. Je vous fais parer et prêt à tout. Soignez Ticus, s'il vous plaît. Surtout soignez Ticus. Donc ça, je suppose que c'est rien. Ticus. Ok, alors. Il doit survivre, le monsieur. Ok. Donc j'ai compris. Ouh là 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 là. LOL. C'est ça, Odin? Ouh, les scientifiques, ils ont l'air un peu stressés à côté, là, non? La vache, vivement que je puisse prendre les commandes pour pouvoir tout péter. Bah, c'est pas ce que tu viens de faire, là, non? Reste sur ta position, Ticus. D'accord. On va t'envoyer une troupe de soutien pour te couvrir. Mais une seconde, les Odins, c'est pas la même chose que les Thor? Ok, je crois qu'on a... C'est pas bien compris. Exactement le truc dont je rêvais. Bordel, Ticus! Halte au feu! Tu me reçois? Non, non. Il est bloqué en mode émission, commandant. Il ne nous entend pas du tout. Les défenses des bases du Dominion sont en train de s'activer. Merveilleux. Mettez la Ok, base en place bon, je crois qu'il a pas très On bien compris le principe du truc. Pas les plans. Comme si c'était possible. Moi, je dis ça dénonce là. Il y a une dénonciation. Ok, bon. Point de sauvegarde. Ok. Donc... Et en plus, il a de la vie. Non, mais. On est direct au gaz. Alors ici. Alors, l'Odin doit survivre. Je peux le garder, hein. Je peux. Trouver, détruire le Loki. Trouver les échantillons Zerg. Alors par contre ici je suppose qu'il n'y a plus rien déjà. Ok. Donc ici on a notre groupe d'intervention. On va aller récupérer les ressources. Ordre reçu. Ici on va faire un réacteur. J'espère que c'est du sérieux. Tac, ici on va faire un réacteur Commandant, aussi. Commandant, je détecte des cuirassés du Dominion sur une trajectoire d'interception du Odin. Hé, hey, tête brûlée, tu les veux maintenant les chasseurs ombres? Ils feront qu'une bouchée d'un cuirassé. Tu pourras en construire d'autres au spatioport. Ah ouais, pas mal. Yeah. Donc ça c'est un nouveau... Ah attendez, j'ai une petite idée. Derrière la tête, je ne sais pas si ça va marcher. Ah, il se défend bien quand même. Hein. Alors, par contre, il peut pas utiliser les. Oui, on peut utiliser des VCS pour le réparer. Bah, écoutez, ça c'est une très très bonne nouvelle. On va produire du marine. Ça, à mon avis, ça me semble bien. On va attendre aussi. De se faire un petit peu plus de ressources. Ici, on va aller explorer. Alors, c'est quoi le plan maintenant, commandant? Attendez. Fouiller les bases, c'est ça? Non, pas du tout. Ouh, l'image Jimmy, de place. Partenaire, tu m'entends? Non. Bon, bah, puisque t'as pas l'air décidé à m'interdire de m'amuser un peu. D'accord, alors vais ici, faut. M'amuser un peu. C'est parti. Non. Donc toi tu vas péter ça. Parce que bah tiens, vous aussi vous allez péter ça. Pendant que vous y êtes. Au lieu de vous toucher.
Tac. Bon, par contre, ici, on suit. Voilà, hop. On produit toujours du marines. Par contre, le minerai, là, c'est chaud patate. Là, là c'est vraiment chaud. Ici, je suis sûr qu'il y a des trucs à récupérer. Alors, un petit coup de stimulant. Tac. On pète les médivacs. Tac. Le médivac qui pue, on l'envoie dans les abysses. Voilà, ça c'est bon ça. Et là on pète tout là. Pendant que ça c'est en train de se fractionner. Tac, voilà. On va faire du marines. Par contre les niveaux ressources là c'est vraiment catastrophique. On a vraiment pas du tout de... Tac. Par contre, je dois admettre que ça fait des lourds dégâts quand même, cette espèce d'Odin. Si on avait ça en multijoueur, mon gars, je peux te dire que ça finirait en 2 secondes. Hein. Donc ici, ils ont pété un petit groupe d'intervention. Oh oui, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Donc ces espèces d'idiots, ils vont venir. On va mettre des vautours ici. Ah, j'ai pas pensé, on va foutre des mines, tiens. Et c'est tout. La route m'appelle. Oui. Oh non, ils ont pété la mine. Ok, ouais, bon. J'y vais. Ça sert à quoi? On danse. Je... Les gars, ah, d'accord. Pour un PCS pour remettre une couche de peinture. Okay. Je commence à me sentir un poil engourdi. Oh là là. Est-ce qu'il parle toujours autant? Ouais, dès que ça chauffe un peu, il n'y a jamais moyen de le faire taire. Bon, attendez, je regarde. Maintenant, mince. Ça c'est fait. Je vais me faire une petite pause. J'ai bien fait de penser au ravitaillement liquide. Ouais, t'as bien fait. Donc nous, on va en profiter pour regarder. Attendez, ça, on le balance là-bas. Et là, dépôt de ravitaillement. On va mettre tout de suite un dépôt de ravitaillement. On va aller faire un tour là-bas, là, puisque... J'espère que c'est du sérieux. Non, c'est... Je prends trop cher. Mais ici, il y a du truc. Ouh là là, on se fait attaquer ici. Ah mince. Non, rentrez dans le bunker. Tac. Au rapport. Ok, bon. D'accord, bon, ça va être un peu chaud patate, les amis. Tant que ce gus là n'aura pas mis de dépôt de ravitaillement, on n'a pas du tout assez de production. Exactement. Ici il y a un truc zéro, voilà. Rien ne vaut une petite bibine bien fraîche sur les cadavres fumants de ses ennemis. Va falloir vraiment qu'on aille chercher tous les. Je vois tes petits bonhommes qui courent là tout en bas, Jimmy. Tous les échantillons Zerg, ce serait bien. Trouver détruire le Loki, ça on va le faire. L'Odin doit survivre, ça on va le faire. Ok, bah. Je pense que c'est bon. Par contre, on n'a pas une... On n'a pas une production très satisfaisante, hein, je dois dire. J'en ai marre d'attendre. C'est parti. Il me fait peur quand même, hein, le monsieur. Là, je vais essayer de plutôt... Et après, je vais faire, hop, tac, 2 médics. Comme ça, on va pouvoir les récupérer ici. Bon, ça va le faire, là. Ça va le faire. Nos alliés. Tac, voilà. Voilà, on répare en même temps. De toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces espèces de nukes? Allez, regardez. Non, mais... Ce truc est quand même assez abusé, hein, quand on y pense. Mais bon, quand il y a des VCS qui... Quand il y a un seul VCS qui répare, quand même. Ça... On construit toujours des dépôts de ravitaillement puisque ce sera toujours utile. Par contre, j'ai l'impression que la vitesse de production des unités est catastrophique. Envoyez-moi quelques laboratoires techniques. Quoi? Ah, d'accord. D'accord, je crois qu'on s'est mal compris. Les consultations sont ouvertes. Ok, lui on va le... Alors, faudrait pas que mon VCS... meurt, ce serait vraiment stupide.
Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer de se faire des... un vautour, tiens. Oh là là, décidément, le... Ah, il peut réparer les vautours aussi, tiens. C'est... Tant que le VCS est là... Bon, je vais peut-être réenvoyer deux, trois trucs. Mais à quoi sert-il? Oula, il me fait peur là. Boum, ma poule. Tac, bah tiens, en attendant, ils vont récupérer. Alors ça, c'est chaud bouillant. Hein? J'espère que c'est du sérieux. Ah, là, il y a un. Il y a un truc zerg. C'est parfait, et on sait où est le troisième. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. On est bon là. On est très très bon. Quelque chose de bénéfique. Bah ouais, Michel, écoute, moi ça me convient. Voilà, là on va mettre du tourment. On va faire un peu de tout. Hein. Déchargez-moi ça. Groupe d'attaque. Bah tenez, on va aller les. On va attendre que tout le monde soit rassemblé et on les envoie. C'est un peu ça la technique. Voilà. Oh putain, Battle Cruiser. Ah, un fantôme. Et là, on envoie la sauce. Oups. On envoie le stimulant. Le vieux ticus sera là. Bien. Non, par contre, j'avais pas prévu. Attendez, on va récupérer. Voilà. On a récupéré l'échantillon Zerg. On peut se tailler, les amis. Bombe nucléaire, ça devrait suffire. Ah, d'accord. Ok, bah lui il est comme ça. J'ai hâte de me faire les dents dessus. Scientifiquement, je veux dire. Je vais pas le manger. Mince. On va faire ça comme dans les livres. Un VCS à la réparation, s'il vous plaît. Tac. Je peux pas construire ici. Il nous faut vraiment. On les recule. Voilà, ça devient quand même un petit peu chaud, je dois vous l'admettre. Ok, bon. On s'en est sorti, pas de problème. On commence à gérer un peu le... Et ce crotal, il est coriace. On va aller construire une deuxième base. Parce qu'on est des malades. Allez, hop. Et ça nous fera vachement plus de minerais. Tac, on va envoyer un VCS là. Lui, il est toujours là. Trouver, détruire le Loki. On va essayer de le faire, ça. Ok, vous pouvez retourner là. On va faire un autre gaz Vespen. Tiens, pendant que tu y es, toi, tu vas construire une deuxième caserne. On va faire plus de tourmenteurs. Ah, par contre, j'ai pas assez de minerais. Ah, par contre, j'ai tout bousillé là. Allez, Jimmy, on a des têtes à faire voler. Ah, bah tiens, un VCS. On va le tuer. Parce que moi, j'aime bien tuer les VCS. Je suis coriace. Enfin, je suis coriace, je suis un enfoiré, moi, je veux dire. Je suis un fou, moi. Alors, le VCS est toujours là. Oh, je viole un VCS là. Et on construit la deuxième base. Attention, on fait bien attention. On surveille bien le VCS. Bah tiens, pendant qu'on est. On va aller le faire suivre ici. Tac, voilà. Sans oublier qu'il y a les bases ici. Hein. On va essayer d'aller les détruire là. Je suis dans la mouise. Mais non, ça c'est dans ta tête. Alors la caserne va être prête. Tourner le matos. On va en construire une autre. Parce que là, on manque vraiment de... Un coup de stimulant. Et on envoie la sauce. Voilà, et le petit VCS, il est toujours là, et il répare. Alors, si vous ne savez pas, vous voyez l'icône de réparation ici, donc qui est noté R, vous pouvez
cliquer droit dessus et il se met en auto-hyper. C'est-à-dire que dès qu'il voit un véhicule, enfin une unité mécanique qui a besoin d'être réparée, il le fait automatiquement par lui-même. Ça c'est vraiment pratique. On va faire plus de troupes. Ah, le VCS. Oh, le VCS. Tac. On le fait bien reculer. Bon, sinon ça se présente plutôt bien. On va péter la troisième base. Par contre, ici, il faut que j'aille péter la quatrième. Ce serait bien. Toi aussi, t'en veux. Ouais, je veux bien. C'est sympa de me demander. Okay, c'est quoi ton petit nom? Je déconne. Toi tu vas là. On va aller se faire plaisir. Pas assez de minerais. Poter des culs et mâcher du chewing-gum. Oh oui, j'aime bien ta philosophie. Pas assez de minerais. Ouais, par contre le minerai là, voilà quoi. Hein? Toi tu suis. Transmets tes coordonnées. Ok, envoyé. Faut qu'on aille détruire cette base là et faut qu'on trouve le Loki que. Qu'il faut qu'on trouve, hein, tout simplement. Hein. Faut qu'on trouve une machine de guerre absolument monstrueuse. Ça, on l'a trouvé. Oh là, un tank en mode siège. Mince, là par contre, ça va être problématique. J'ai plus de VCS. Et j'ai plus de troupes en même temps. Donc, écoute. Trois bases au tapis. Ce repris de justice, ça peut être son utilité après tout. Oh, on n'insulte pas les repris de justice. Pas assez de minerais. On va lui envoyer une nouvelle troupe. Tu sais quoi? Je pense que je vais me faire une autre petite pause. Tu ferais bien de me préparer 2-3 renforts, Jimmy. Oh bah oui, t'inquiète pas. Je suis là pour ça de toute façon. Non, finalement, en fait, y a pas besoin. Je vous suis. Y a juste besoin de, ouais, de faire une grosse armée de psychopathes. De psychopathate, de malade mental, de... Ah oui, ça par contre on va... Hop. Ça c'est rien, c'est que... C'est des pécores là qui... C'est des pécores qui... Bah, qui ont décidé de venir m'attaquer, mais ces espèces d'idiots, bah... Voilà. C'est les mecs du Dominion, hein, ils sont comme ça, ils sont un peu susceptibles... au début. C'est vrai que c'est très pratique ces bunkers à tourelles, ça rajoute une défense en plus qui n'est pas négligeable. Oh, qu'est-ce qu'ils ont? Vous allez là. Détruisez-moi cette banshee. Les petits gars du Dominion vont essayer de se défendre ce coup-ci. J'ai même pas commencé à suer. Ce coup-ci. Bon, on a récupéré des mercenaires que l'on va envoyer ici. Alors j'ai pris les Space Marines de fou furieux là. Tac, ça leur fera les pieds. Ça leur fera les lourds pieds. Transfert de probe. Hop, transfert de probe qui est très important. Enfin bon, dans la campagne c'est pas très important. On s'en fout un peu même, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Ok bon, alors là qu'est-ce qu'il fait par contre? Qu'est-ce que tu fais, Jackie? Là, t'avances. Et on n'a toujours pas utilisé notre réserve de Vespen. Je pense que le Vespen n'est pas très utile dans cette mission, sauf si on veut faire des Goliaths ou des Crotal. Pour le coup, là, je... C'est reparti. J'ai trouvé mon rythme de croisière. Attends, je t'envoie des poteaux. Voilà. Petit copain. Pas assez de minerais. Vous allez récupérer le Vespen. Ah mais d'accord. Ouais, c'est critique le minerai. Je comprends pas pourquoi j'ai l'impression que le taux de... Non, le VCS. Oh, déstressé là. On nique le Battle Cruiser. Ah mais c'était le Battle Cruiser qui était abîmé de la dernière fois, d'accord. Ok. Bon d'accord, on avait déjà commencé un peu à... Ah bon, un spectre, il avait pas beaucoup de chance. Un petit coup de steam. On va péter la banshee.
Voilà, on pète bien les bases. On pète bien. On pète tout. On pète tout, on est des fous. Par contre, là, il y a un truc zerg dégueulasse. Ah, ça vient encore cette merde. Bien. Yeah. Hop. Il en vient de tous les côtés. Hein? Pardon, c'est qui a parlé comme ça là? Alors, est-ce que le VCS est toujours là? J'ai pas l'impression. Ça va te faire beaucoup plus mal qu'à moi. Hein? Toi aussi, t'en veux? Ouais, moi j'en veux, ouais. Oh, les anges de l'enfer! Oh, ils sont magnifiques! À mon avis, ça doit être les vikings d'élite. Ils m'ont l'air bien pétos, Krakos. Même plus besoin de réparer l'Odin, mais on est des. Non, on pète les banshees. Non, on pète les banshees, on est des fous. Écoutez, tac. On va faire un groupe. Voilà, et hop! Tac, on va envoyer le Marines. On va envoyer du Marines et on va envoyer un petit VCS de rien du tout. Allez, on pète tout. Notre base est sécu. Bon, peut-être. Allez, un petit. Ah, il est toujours là le VCS, hein. Il a survécu le salaud, il a survécu. Ah, attendez, les facochards, voilà, c'est des facochards. On va péter cette base. Par contre, ah, voilà, à mon avis, c'est ici qu'on va rencontrer le Loki. Et qui m'a l'air d'être très méchant, apparemment. Si je ne dis pas de bêtises. Et hop, on continue à produire des hommes, vu que là, on a dirait que les choses se compliquent. Je détecte la présence de cuirassés sur la base suivante, et les capacités anti-aériennes du Odin sont limitées. Point de sauvegarde atteint. Faites sortir plus d'ombre du spatioport. Si on en a suffisamment, on pourra s'occuper des cuirassés. Ah, ouais. Ça, c'était vraiment marrant. Pas assez de minerai. Je vais te laisser le temps de me rattraper. D'accord, ok, bah, on va en profiter pour prendre les ressources parce que... Les Dominions ont vraiment pensé à tout. Je reviens tout de suite. Hop, voilà. On va faire ça comme dans les livres. Ok, donc, à mon avis, ça va être chaud patate et j'ai pas prévu... J'ai pas prévu assez de... Attendez, on va couper la production de Tourmenteur. J'ai pas du tout assez prévu d'ombre. Ça marche. J'avais absolument pas pensé aux ombres. Mais alors, pas du tout. Ça se trouve, je stresse pour rien. On va les dégommer complet. Ah, heureusement que j'avais de la... Allez, un petit coup de steam. Ça fait mal au derch. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Il me semble avoir vu un spectre. Si je dis pas de conneries. Et les tourmenteurs, ça fait vraiment des dégâts, hein. Voilà, on a toutes nos troupes de Marines. Ah! 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 Ah oui. Ah oui. Par contre, ça, j'avais pas prévu. Ça, c'était de la vidange de compétition. De la vidange. Vidange de compétition. Bah, t'écoutes bien, mon gars. Hop, on va faire tous les mercenaires. Tac. Tac, dis-moi vous allez. Quand, et j'arrive. Ah non, vous allez là. Ah, je me fais attaquer. Mince. Bon, j'envoie les troupes d'élite, hein. Moi, je suis un malade. Ah, par contre, j'avais pas prévu ça, moi. Bon, ok. Ça, c'est pas gentil, les mecs. Hein. On perd notre temps. C'est vraiment pas sympa. J'espère que toi tu me reçois, Jimmy. Parce que je me dirige vers la dernière base maintenant. Me fais pas attendre. Putain! Ça marche! C'est vous, Crazy. Ils m'ont pourri, mais. Ah, ils m'ont bien pourri, mais. Ils m'ont bien pourri ma deuxième base. Bon, au pire, on s'en fout, hein. Un petit sim, voilà, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ça aussi, on va fêter. Parce que ça fait des dégâts. Hein. Capacité anti-aérienne, mon cul, on s'en fout complètement. Nous, on pète tout. On est des Space Marines de l'infini du. De l'infini. Voilà, quoi, hein. Ok, d'accord.
Bon. Alors que j'ai pas à le redire. Bougez-vous, j'arrive. Ouais, c'est pas beau ça. Par contre, le Loki, je. Poté des culs et mâcher du chewing-gum. Ouais, c'est bon, on a compris. Hein. Mec, il y a un petit problème avec les culs. Hein. Là, on a un magnifique fantôme qui va se faire décagner. Voilà. Attendez, on va détruire ces tourelles à la con. Ah, par contre, toi, tu vas aller là. Toi. Bordel. Mais comment j'ai fait pour rater le bouton avec une tête de mort dessus? Eh ouais, c'est con. À mon avis, t'es bibleau. Tu dois avoir un problème de myopie ou... Oh, poupée. Là, tu vas la sentir, ta douleur. Oh putain, là, j'ai peur quand il parle. Là, j'ai peur, là. Je comprends que... D'accord. Voilà, je comprends qu'il soit content. Oui, chef. Par contre, trouver le Loki, le détruire. Excellent. Maintenant que nous disposons du Odin, nous pouvons frapper le complexe de l'UNN sur Coral et mettre notre message. D'accord, sur... mais il fallait trouver le Loki. Hey, capitaine, tu m'entends? La prochaine fois, tu compteras peut-être sur Ticus pour faire un peu de grabuge. Le seul problème. C'est bien la seule chose pour laquelle je peux compter sur toi. Le Loki, c'était quoi? Je crois que j'ai pas vu. D'accord, j'ai pas de haut fait. Génial. Détruire le Loki dans la mission Odin le Destructeur. Le Loki d'or. J'ai pas vu le Loki. J'ai pas vu le Loki. Réussir tous les objectifs de la mission. On aurait eu deux haut fait, les amis. On aurait eu deux haut fait. C'est dommage. On aurait pu avoir deux au fait si on avait détruit le Loki. On aurait eu deux au fait en plus. Bon, tant pis. J'ai pas vu le Loki. Je ne savais pas ce que c'était le Loki. J'ai pas vu. C'est dommage. J'ai pas regardé. Bon, tant pis. Ça fait deux au fait. C'est quand même deux au fait en moins. Hein. C'est beaucoup quand même. Tu t'es vraiment bien battu, Ticus. Ton séjour au frigo ne t'a pas ramolli. Faut dire, la trouille et la violence vont ressortir ce qu'il y a de mieux en moi. Un gros psychopathe? D'accord. Je dois admettre qu'on a toujours formé une bonne équipe. Ouais. Sacré Hubert. Enfin, jusqu'à ce que j'aille en prison. Toi, tu te ranges. Oh. C'est pas faux. J'adore comment ils sont... Ça part entre... Ok, bon. Eh bien les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On n'aura malheureusement pas eu de haut fait, mais ça c'est pas grave, c'est pas un problème du tout, on s'en fout. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien pour... Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Oui, enfin, bref. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de StarCraft. Allez, à la prochaine.